Salut les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du concept de la purification, un concept qui date vraiment des anciens écrits. Puis même encore aujourd'hui, surtout en ce moment en confinement, on est un peu free de la purification de par le ménage, puis toutes les précautions qu'on prend pour rester un peu dans une certaine forme de pureté. Et là, ça me fait penser, je me dis, et si en ce moment, c'est ça qu'on cherchait? Une certaine forme de se purifier, de s'alléger de tout ce qu'on n'a plus besoin. Puis ça, des rituels de purification, ça peut passer par tellement de choses. Ça peut passer par la façon dont tu manges, donc une façon de se nourrir. Ou même, j'ai fait une capsule récemment sur le jeûne. Donc ça peut être une forme de purification. Ça peut être aussi, comme je l'ai montré en début de vidéo, avec des herbes, avec de la sauge, ça peut être avec des huiles essentielles. Ça peut amener une forme de purification. Dans la tradition yogique, ce qui est drôle, c'est qu'il y a 5 façons de se purifier. Il y a par les respirations, il y a aussi des façons un peu intenses de se purifier qui seraient d'ingérer un morceau de coton jusqu'à temps qu'il rentre complètement dans le tube digestif pour ensuite le retirer. J'ai vu visuellement quelqu'un le faire lorsque je suis allée en 2017 passer 30 jours dans un ashram. Ça m'a un peu dégoûtée, j'ai pas été capable d'observer, puis ensuite la personne, ça se fait qu'elle vomisse, puis bon. Il y a aussi d'ailleurs un rituel de purification un peu moins intense qui est de boire de l'eau salée dans une certaine concentration. Et puis là, si jamais vous vous adonnez à des choses comme ça, vous allez observer quand même, c'est quand même important de respecter là, la tradition. C'est pour ça que je ne vais pas le décrire parce que je ne veux pas vous inciter à le faire, mais reste que c'est quand même assez spécial de voir à quel point que de boire une quantité X d'eau salée dans une certaine concentration qui est salée comme ton corps, dans la même concentration que ton corps, ce que ça fait, c'est que ce liquide-là, l'eau salée, va passer directement d'un bout à l'autre et le but étant que ça ressorte de la même façon que c'est entré. Donc, je vous épargne les détails, mais je dirais que ça purifie de tous les sens et que c'est un moment assez intense à vivre avec soi-même. Et ensuite, on remarque l'énergie est vraiment intensément plus haute. Donc, c'est comme si on se nettoyait complètement l'intérieur. comme on dit que l'intérieur est aussi l'extérieur, je pense que c'est bien, une fois de temps en temps, de prendre des pauses pour justement observer comment en ce moment je pourrais me purifier. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas obligé d'aller dans des techniques hyper extrêmes. Quoique si c'est quelque chose que tu veux essayer, vas-y si ça résonne avec toi, mais c'est important de respecter tes limites. Donc voilà, fait que je voulais juste comme parler un peu de ce concept-là, la purification. Ça peut être aussi au niveau de tes pensées. Tu sais, c'est comme si je te pitchais une espèce de brainstorm en ce moment pour que tu fasses comme « Hey, ça sonne avec moi, ah ça non ». Juste comme faire un petit wake-up call, tu sais, à quel point tu te sens pur en ce moment dans ta vie. Est-ce que des fois c'est un concept que tu observes, la pureté? Est-ce que tu te sens pur dans tes pensées, dans ton langage? Dans ton intention, tu sais, des fois, on va émettre une intention, puis on va se dire, ouais, c'est sûr que si quelqu'un m'entendait en ce moment, c'est sûr que si quelqu'un aurait accès à mes pensées en ce moment, tu sais, imagine si tout le monde entendait tout ce que tu disais. Imagine que chaque chose que tu dis de quelqu'un, que tu penses de quelqu'un, cette personne-là l'entend. Mais je pense que c'est un peu vrai à quelque part. Je pense qu'on est rendu à ressentir si quelqu'un pense à nous, si quelqu'un dit quelque chose de nous, que ce soit bien ou mal. Je pense que ça nous envoie une certaine forme de vibration. Donc faites attention à ça. Pureté dans votre langage, dans vos intentions. Pureté dans vos gestes également. Prendre le temps de bien faire les choses. Prendre le temps de bien faire son ménage, d'avoir un environnement qui est quand même assez ordonné, qui représente ce que t'es, la pureté. Donc, voilà, je pense que d'avoir ça en tête, ça permet aussi d'observer d'une certaine façon notre paix à l'intérieur de soi. Donc, c'est une capsule super spontanée. J'ai aucune idée pourquoi il fallait que je vous dise ça, mais ça me sonnait vraiment fort de vous le dire. Donc, j'ai suivi mon idée. Et je vous souhaite, je vais faire un petit chin de cette concoction, ma foi, tellement bonne. Chin.